Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien, bonjour. Aujourd'hui la coupe du monde. Du coup ouais non, c'est euphorique mais non, aujourd'hui il y aura la coupe du monde à 17h. Du coup je devais faire cette vidéo assez rapidement pour qu'elle apparaisse avant le verdict de si la France a gagné ou pas. Et si vous regardez donc cette vidéo après avoir vu le match, moi je dis c'est la France qui gagne, hein, on a gagné, dites-moi qu'on a gagné, dites-le moi s'il vous plaît. Bref. C'était une idée de vidéo qu'on m'a donnée pendant le live de hier, du coup, au moment où vous regarderez cette vidéo. Et je me suis dit que c'était intéressant. Donc en fait, c'est d'ouvrir les cadeaux des supporters de l'équipe de France. Donc ceux qui ont par exemple le truc dessiné sur la joue, des cheveux de couleur, voilà. Ou le maillot, enfin bref, quoi que ce soit qui fasse supporter de l'équipe de France. Bon, en général, ce sera surtout les crayons sur la joue, quoi. Et bah j'espère qu'il y en aura quand même, hein. J'espère qu'il y en aura même beaucoup, hein. Ah bah voilà, tiens, Betty James. Oups, désolé. Bah faudra que je remette après mes habits de la coupe. Bon, j'espère que vous êtes nombreux à supporter. Oh, super. Super, on adore. Et là, bon bah ça va, c'est quand même pas mal. On va mettre les lunettes. Je rappelle, bah, de toute façon, vu que cette vidéo, je pense qu'elle sera postée le matin, le dimanche matin. Du coup, oh nice. Du coup, je pense que vous pouvez encore acheter le look. Donc, je rappelle le look que vous avez vu au début, bah, plus maintenant, hein, mais il a été créé bah, en live avec vous et vous pouvez l'acheter. Bah, vous allez dans mes looks et vous pouvez l'acheter. Je crois qu'il vaut dans les 2 Mister Coins, je sais pas, mais je pense environ une estimation comme ça. Nous n'avons pas utilisé de choses VIP ou de choses à diamant, donc tout le monde peut l'acheter. Et merci beaucoup à tout le monde pour les cadeaux encore une fois. Félicitations quand même à la Belgique qui est quand même troisième de cette Coupe du Monde. Bon, nous dans tous les cas, on peut être que premier ou deuxième. Bon, c'est déjà pas mal, mais bon, un petit... Voilà, une petite première place. Alors, ça fait 20 ans, c'est un signe, hein. Parce qu'il me semble, c'était la dernière fois que la France elle a gagné, c'était en 1998, j'étais toute petite. Du coup, c'est vraiment... voilà, c'est que ça date, mais ça fait 20 ans pile. Donc je pense que c'est un signe, donc je pense que l'on va gagner, c'est obligé. De toute manière, à chaque fois qu'il y avait l'équipe de France qui jouait dans la Coupe du Monde, j'étais là toujours à dire oui, c'est la France qui va gagner, c'est toujours la France qui a gagné. Du coup là je dis contre la Croatie, c'est la France qui gagne, donc il y a intérêt à ce que ce soit la France qui gagne. Voilà. Sinon je ne serais pas contente. Oh sympa les fleurs, la couronne à fleurs bleu, blanc, rouge. C'est pas mal. Franchement, bonne idée ces fleurs. Ces flowers. Alors, est-ce que... Bon, non, je pense que... Attends, j'allais dire bleu, blanc, rouge, mais c'est Harlequin, c'est normal que ce soit bleu, rouge. Continuons, continuons, ne se laissons pas distraire. Mais franchement, ouais, ça fait quand même pas mal de personnes. Hein. Ça, c'est cool. Franchement, c'est super cool que vous mettiez le... que vous supportiez la France, vraiment. En plus, bon... Hein, faut dire ce qui est, hein, sur MSP on est majoritairement des filles. En général les filles ça regarde pas trop les matchs de foot, ça s'intéresse pas forcément au foot, hein. Hashtag cliché bonjour. Donc ça fait quand même plaisir qu'il y ait quand même autant de gens qui jouent le jeu. Donc attendez, attendez, je reviens, oui je sais, j'ai raté une personne, je reviens tout de suite. Voilà, super. Non mais franchement ça fait plaisir. Hop, continuons. Ah... Ça sent le look. Ça sent le joli look. Le joli look. D'ailleurs, on va aller voir le look à la fin. Comme ça, je pourrais quand même vous le montrer avant de finir la vidéo. Alors, continuons. Donc, comme je disais, ça fait quand même 20 ans qu'on n'a pas gagné la Coupe du Monde. Moi, je dis, on la gagne. Vraiment. S'il vous plaît, les Français. Yoris, s'il te plaît. Tous les ballons, tu les chopes. Mbappé, tu mets 4 buts. Voilà quoi, faites le taf, hein. Attends parce que j'ai avancé mais j'aime pas faire attention, non c'est bon. Franchement ils font le taf, hein. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, mon joueur préféré c'est Hugo Lloris. J'ai dit, oh, mais c'est pas un joueur, c'est un gardien, bah oui mais bon, oh sympa, regardez le blanc rouge, la choucroute sur la tête. Hop, voilà super. Mais ouais comme je disais, Quinzel, oh coucou. Comme disait mon joueur préféré, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez vous aussi... Oh, j'ai un bug, regardez le bras. Mon bras a disparu.
Regardez, mon bras, il n'est plus là. J'ai perdu un bras, mais j'ai toujours ma main. On croirait un peu dans Rayman. Vous connaissez le jeu Rayman? Où il n'y a pas de bras, il a que les mains qui flottent, qui lévitent, lol. Ah bah, dis donc. C'est pas très joli, tout ça. Hop, continuons. Et qu'est-ce que je disais? Ah oui, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Oh, ça c'est un rare de pack. C'est un rare de pack. Tout en noir, il est stylé en plus tout en noir. En tout cas, merci, merci beaucoup. Et comme je disais, n'hésitez pas à mettre... Je vais jamais la finir, hein, celle-là. N'hésitez pas à mettre en commentaire le nom de votre joueur préféré. Pas obligé hein, que ce soit de l'équipe de France, hein, tout joueur confondu. Hein. Parce que moi, à la base, Hugo Lloris, c'est mon joueur préféré, tout joueur confondu. Hein, pas de l'équipe de France en soi, mais de tout. Voilà. Donc Hugo Lloris, bonjour à toi si tu passes, si tu regardes cette vidéo. Machin, le mec, il s'en fout complètement. Hein, mais si tu passes par là, on ne sait jamais, ben bonjour, enchanté, Quinzel, je suis fan de toi. Voilà. Non, c'est vrai, j'aime beaucoup ce joueur. Après, il y aurait qui, franchement, si je vais choisir... Attendez, non, je reviens. Oh, plein de cadeaux de Steph. mais non, franchement, c'est mon joueur favori. J'aime beaucoup parce que je trouve... En fait, je le trouve humble, je le trouve calme, je le trouve posé, tu vois. Il est pas... Voilà, quoi. Il est pas extraverti ou... Tu vois, franchement, il est simple. Et moi, je trouve qu'on donne jamais assez d'importance aux gardiens de but. C'est souvent les attaquants qui sont mis en avant. Mais au final, je trouve qu'un gardien de but, c'est limite plus important qu'un attaquant, au final. Parce que s'il chope toutes les balles de l'attaquant, au final, c'est le gardien le meilleur. C'est le gardien the best, non? On est d'accord ou pas? Donc c'est un rôle très important, le rôle du gardien. Limite, c'est un rôle décisif. Hein. Bon, en fait, c'est un live... une vidéo blabla foot, lol. Là, je crois que j'ai perdu trois quarts des gens qui regardaient cette vidéo en parlant de foot. Bref. En tout cas, merci pour tous les cadeaux. Je m'attendais à recevoir des trucs de genre bleu, blanc, rouge, mais pas du tout. Ghost Dress 2016, merci. 2016, on est retourné en 2016. Il y a 2 ans en arrière. Happy New Year. Hello. D'ailleurs, c'est pas une robe rare ou quoi? Parce que bon, 2016, peut-être qu'elle n'existe plus. Hein. Ou peut-être qu'elle existe toujours. Bah, dites-moi. Et ici, nous avons... Styliste Mimi. Et j'ai... Ok, ça fait plaisir. Désolée. Ok, en direct. Mais je peux rien y faire. Parce que si je retiens ma respiration, bah je parlerai plus pendant la vidéo. Et là, il y a peut-être des gens qui vont se dire « Ah bah tiens, ne parle plus, ça nous arrange. Tu nous saoules à parler tout le temps. Hein. » Mais non, ça va, ça a l'air de passer. J'ai plus le OK là. Et merci à la Lou. Hop, petite flowers. Non, franchement, le look, il passe. Franchement, il n'y a plus dégueu. On est d'accord. Enfin, c'est pas non plus look top model et je te fais un défilé sur le tapis rouge. Mais franchement, on a vu pire au niveau des looks en fin de vidéo, j'ouvre vos cadeaux. Franchement, on a eu bien, bien pire. Alors là, j'attends que la belle fille apparaisse, mais elle n'apparaît pas. C'est trop bizarre. Attends, on revient en arrière, on revient ici. Ah, j'ai eu peur un moment, je me suis dit, ouais, c'est un... Qu'est-ce qui se passe? C'est un bug? Enfin, bon, j'ai envie de te dire, mon bras, il est toujours pas réapparu. Hein. Ça, par contre, hein, voilà. Comme ma cervelle, il a disparu, le bras. Oh, j'adore son look avec ses piercings et tout, c'est trop beau. Bon, ici, pas de cadeau à ouvrir. D'ailleurs, tiens, parlons du pronostic. Moi, je dis demain 2-1 pour la France. À tous les matchs, j'ai dit 2-1 pour la France. Bon, la France, je crois, elle a jamais eu 2-1. Mais elle a gagné, donc je continue à dire 2-1. Donc peut-être ce sera pas 2-1, mais au moins elle gagnera, voilà. Donc si vous avez des pronostics pour le match de 17h, n'hésitez pas. Et ceux qui me disent les pronostics après 17h, ça compte pas hein, les gens. Hein, parce qu'après vous aurez vu le match, hein, c'est de la triche. Non. Ah non. Ah, ici. Ah, oui, des têtes d'user, j'ai dit une personne chauve, mais des têtes d'user aussi quoi. C'est triste. C'est triste. Bah écoutez, je pense qu'on va essayer d'ouvrir encore ouais, une personne. Voilà, le dernier cadeau de Julie Mini. Et puis, je vais vous montrer un truc, maintenant. Oh non, ça va m'enlever. Oh, ça m'a enlevé. Non. Tu vois, c'est un signe, comme par hasard, à la fin. Julie. Sorcellerie, je dis. Sorcellerie. Bref.
Hop, on va aller dans création, on va aller dans les looks. Et là, vous allez voir, voilà. Donc c'est celui-ci, France en finale, d'ailleurs, acheté 563. Je crois que c'est le look le plus acheté en tellement peu de temps. En vrai, 563 personnes quand même qui l'ont acheté. Limite autant que de Lovit, quoi. C'est ouf, hein. Presque tout le monde l'a acheté. Bah, en même temps, il est vraiment dispo pour tout le monde. Bah, tout le monde peut l'acheter. Bah, tiens, on va le porter, tant qu'à faire. Donc là, vraiment, il y a tout le monde qui peut l'acheter. Bon, il faut quand même un minimum de Starcoin, hein. Mais je veux dire, il n'y a pas de VIP dedans. Il n'y a pas de vêtements VIP. Il n'y a pas de vêtements diamants. Donc, tout le monde peut... Bah alors, tu portes. Et juste comme ça, je vais voir. Non, je pense que ça doit être le look le plus acheté du game, quoi. Ouais, bah ouais. Bah ouais, hein. Gringoin, il a quand même été acheté 54 fois. Hein, et j'ai bien précisé Bayamir parce que c'est elle qui l'avait fait à la base, le look. Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est le look le plus acheté. En même temps, c'est le plus dans l'air du temps. Et puis en même temps, j'en ai beaucoup parlé en live. Donc voilà, bon, en tout cas, merci à tout le monde. Hein. Enfin, par 15 ans, oui. Oui. C'est de la baisse. Merci, cool. Oui, la France est en finale. Oui. Bah voilà, bah écoutez, on va voir si je vais regretter ce look ou pas après la Coupe du Monde. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao. Gros bisous à vous.